Yep tout le monde, c'est TrainOxPreneur, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars, ce sera le palier numéro 4 de la montante. Donc le palier 3 était passé, c'était Milan contre le Celtic, on avait mis Milan gagnant. Et on avait combiné avec l'Antwerp gagnant contre Ludogorets. Donc c'est passé, on avait vraiment eu peur avec Milan puisqu'ils avaient encaissé 2 buts au début du match. Ils sont revenus à 2-2 à la mi-temps, puis ils ont fait 4-2 en deuxième mi-temps, donc tranquillement. Mais bon, j'avais stressé au début, mais c'est passé, donc tranquille. Du coup, le palier 4. Avant ça, j'ai sorti la vidéo des 10 pronostics de la Serie A pour ce week-end. Donc les matchs commencent aujourd'hui. Allez regarder la vidéo, les gars, il y a 10 matchs que j'ai pronostiqués pour ce week-end. Et aussi la vidéo des 9 pronostics pour la Première Ligue de ce week-end. Donc les 9 pronostics sont là, parce que hier il y avait un match reporté, c'était Newcastle il me semble. Du coup les 9 pronostics sont là, je les ai pronostiqués, donc allez voir aussi. Donc sur Trainox Prono, sur Insta, on est presque 2500, donc ça fait plaisir. N'hésitez pas à follow mon Insta, puisque là-dessus je donne des nouvelles dans les stories, dans mes stories, je mets les nouvelles, je dis quand les vidéos elles sortent sur YouTube. Là je mets les publications des vidéos. Donc allez checker ça, allez vous abonner, le lien est dans la description les gars. Donc pour le palier numéro 4 les gars, ça sera un combiné encore avec un match en Ligue 1 et un match en Liga. Le premier match se joue à 17h les gars, donc soyez à l'affût dès que cette vidéo sort. Dès que cette vidéo sort, allez parier parce que le match commence à 17h et j'ai peur que la cote descende. Donc voilà. Et aussi n'oubliez pas à activer la petite cloche sur YouTube les gars, parce que c'est très important. Dès qu'une vidéo sort, vous avez la notification et vous ne ratez rien surtout. Du coup n'oubliez pas d'activer la petite cloche et surtout de vous abonner aussi les gars. Du coup le palier numéro 4, ça sera dans le match de Rennes-Lens. Le match commence à 17h. Le plus de 1,5 but dans le match. Je vois bien les deux équipes aller marquer. Rennes, normalement, il devrait remonter un peu, parce que ces derniers temps, c'est pas trop ça. Lens non plus, c'est pas trop ça ces derniers temps. Mais il marque quand même à chaque fois. Du coup, je vois bien Rennes et Lens aller marquer. Donc le plus de 1,5 but devrait passer normalement. Et en combiné, on va mettre en Liga. Hop, faut que je retrouve le match. Espagne. Ça sera Barcelone gagnant contre Cadiz. Donc Barça très très puissant ces derniers temps, même s'il n'y avait pas Messi. Franchement, Braithwaite nouveau numéro 9. Donc je vois bien les marquer aussi, hein, s'il est titulaire. Et Griezmann, il commence à se montrer aussi. Il voit la concurrence arriver. Du coup, il commence à se montrer, à marquer des buts. Du coup, je vois bien aussi aller marquer un petit but. On verra. Hein. Donc, voilà le combiné, les gars. Le palier numéro 4, ça sera Rennes lance plus d'1,5 but à 1,25. Et Barcelone gagnant contre Cadiz à 1,29. Et la cote est encore descendue, parce que je l'avais pas comme ça tantôt. Hein. Elle était plus haute. Donc on avait gagné du coup sur le palier 3 91,86, on va les remettre. Hop, 91,86, ça nous fait 148,12€. Du coup, normalement si ça passe, il y aura un dernier palier pour arriver aux 200€, comme j'avais dit dès le départ. En espérant que ça passe les gars, hop, je parie. Donc voilà, plus d'1,5 but dans Rennes-Lens. Premier match à 17h, faites attention à les parier vite fait. Et Barcelone gagnant contre Cadiz, cote à 1,61. On empocherait 148,12€ pour le palier 4. Donc s'il passe, il nous restera un palier pour la montante, pour arriver aux 200€. Donc voilà les potes, c'est terminé pour le palier 4 de la montante, en espérant que ça passe. Donc n'hésitez pas aussi à aller regarder. Donc voilà les gars, c'est terminé pour le palier 4 de la montante. J'espère qu'il va passer. Normalement, je suis en bonne confiance. Hier, j'avais dit que j'hésitais un peu sur le palier. Donc, j'avais pas joué. Et heureusement, parce que j'allais jouer Bilbao. Remboursement, c'est match nul. Ils ont perdu 2-0. Donc, heureusement que j'ai pas... Quand j'hésite, c'est que ça va pas. Donc,
allez checker les vidéos Serie A et Europa League pour Europa League et Premier League pour aujourd'hui, les gars. C'est très important. Il y a 19 pronostics en tout. Donc il y a de quoi faire, un petit combiné tranquille, vous choisissez 2-3 matchs, vous faites une cote à 3 ou à 2 et vous mettez un peu quoi. Ou alors ceux qui veulent parier tout, vous pariez tout. Mais du coup voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne les gars, on est presque à 1700 abonnés, c'est extraordinaire. Donc merci et ciao, bye.